Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de Draft Gap. Cette fois-ci on va s'attarder sur un match des EU Masters et plus précisément dans la phase des play-in parce qu'à l'heure actuelle là, on est dans le day 1 ou 2 des EU Masters, dans le day 2 des EU Masters, les vrais, c'est-à-dire le main phase. Mais j'ai pas énormément de choses à dire parce que j'ai pas pu regarder énormément la première semaine. Ce que j'ai pu voir c'est un match spécifique des play-in qui est la défaite de Game Ward contre les... comment ils s'appellent d'ailleurs? Les White Dragons? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, les White Dragons. Une équipe portugaise, si je me trompe pas. Qui, du coup, a réussi à mettre à mal notre équipe française dans les playoffs. Non, pas les playoffs, dans les play-in, basiquement. Donc, qui est la seule défaite des Game Ward, je crois, sur ces play-in. Qui rend, du coup, cette défaite assez intéressante parce que. En plus de voir une espèce d'anomalie, parce que c'est vrai que les équipes françaises, on a l'habitude de dominer vraiment les EU Masters tout le temps, parce que notre ligue est un peu au-dessus en ce qui concerne que ce soit les talents, que ce soit les budgets, les fanbase, tout ça. Bref, il y a énormément de choses. On pourrait débattre ça de pendant très longtemps, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est comment est-ce qu'on a fait pour perdre, hein, basiquement. Et c'est vrai que vous pouvez dire que c'est peut-être une mauvaise game et tout, mais je trouve que la draft de cette game est plutôt intéressante parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. Et généralement, c'est les équipes qui draftent des picks plutôt peu orthodoxes, des picks plutôt inattendus contre les équipes françaises qui ont tendance à avoir des meilleurs résultats. Je crois que c'était les Agorog à l'époque, au Spring, justement, qui avaient posé énormément de problèmes et qui avaient réussi à presque se hisser dans le dernier carré de DU Master avant d'arrêter justement leur pick fétiche, entre guillemets. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que la draft des Game Ward et des White Dragons a pu passer de une équipe énormément favorite parce que française et parce que mécaniquement meilleure et une équipe portugaise qui essaye de jouer les outsiders à une draft qui permet aux outsiders d'être dans une très bonne position pour remporter la partie malgré les différences qu'il y a au niveau des individualités. Bref. Donc, on va commencer très rapidement avec les bans et on va voir un truc assez intéressant. Alors bon, il y a un ban Karma déjà, qui est un ban qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment dans les playoffs aussi, ce qui se passe en LEC et tout. C'est vrai que c'est pas un champion qui est énormément banni, tu vois. C'est ça qu'on commence à voir, on commence à se dire peut-être qu'il y a, il y a une différence qui se passe un peu à ce niveau-là. Alors je sais pas exactement par quoi est-ce qu'on commence au niveau des White Dragons parce que le HUD est bizarre. On va se dire que ça passe, que ça commence par Lucianne. On va juste faire les 6 bans d'un coup, hein, on va dire. On va avoir un ban Karthus, que j'arrive pas à écrire. Un ban Karthus et un ban Séraphine du côté des Game Ward et du côté des White Dragons. Ce serait également un ban Swain. Non, c'est là. C'est tac, 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 tac. Voilà, c'est ça. Et un ban Sivir. Ok, intéressant. Alors, je vais pas trop m'étendre sur Sivir parce que bon, les gens connaissent Sivir, les gens savent que c'est un pick qui est plutôt fort dans la méta actuellement, pourquoi pas. Il retire des picks un peu forts, il retire le combo Lucian Nami pour pouvoir éliminer, je suppose, la variance qu'il y a de l'early game de Lucian Nami. Qui peut être assez compliqué lorsque tu cherches à draft une composition qui va être meilleure en late game parce que oui, ça va être un peu le sujet de cette draft. Même si j'ai pas que des bonnes choses à dire sur la draft des White Dragons. De l'autre côté, du côté de White Game World, je crois qu'on a bien fait ses devoirs parce que je pense pas que. Enfin. Karthus n'est pas un champion extrêmement joué en compétitif actuellement, malgré sa puissance évidente, le fait qu'elle ait été pique d'ailleurs, les très rares fois où il a pique, il a polarisé énormément la game autour de lui, notamment la game des Damwon lorsqu'ils ont joué pendant la saison régulière contre les Generation Gaming, je crois justement, c'était un BO3 entre deux, et où la deuxième game a été remportée par les Damwon grâce à ce pique justement, donc ce pique de canyon de Karthus, avant qu'il recommence à drafter sans le Karthus et comme s'il avait jamais existé dans la draft et qu'il perde derrière parce qu'ils sont fait outscale. Et ben, du coup, c'est un champion qui est en réalité assez puissant dans la game et qui polarise énormément les games autour de lui. Puis cette force, forcément, à partir sur des picks qui sont forts ou faibles contre Karthus, justement. Enfin, forts contre Karthus, justement. Parce que c'est, y a quand même des faiblesses de ce pick, mais justement, elles sont très spécifiques et il faut drafter d'une certaine manière pour pouvoir permettre ta draft d'exister. Parce que sinon, bah, ce qui se passe, c'est qu'envers chaque teamfight, il y a un R de Karthus qui pop et là, ton équipe se fait wipe. Séraphine, à peu près pareil. J'irais à peu près pareil de Speak, si ce n'est que voilà, son scaling est un peu fou dangereux, qu'elle fait à peu près tout. D'ailleurs, elle met des dégâts ok, elle heal de fou dangereux. Elle met des heals de fou dangereux et elle a un ulti de zone extrêmement, extrêmement clutch, on va dire. Permet à la fois d'engage et de réceptionner une engage, donc c'est assez fort en général.
Du côté de Swain, je trouve que c'est sa capacité est intéressante à rester autour de la mêlée et à potentiellement counter énormément de champions peu de range. Et quand tu vois la range de l'ulti de Swain, tu dis bon, les champions qui ont peu de range, ça inclut aussi les champions mid-range, quoi. Donc voilà. Je suppose que c'est quand même assez intéressant comme ban aussi. Et ouais, voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Et Karma, c'est surtout parce que c'est potentiellement un gros flex, je suppose. Un gros potentiel de flex et que ça peut aussi se jouer en botlane avec Ezreal. Potentiellement un pick qui était. Je connais pas énormément les picks de White Dragon, j'ai pas trop regardé leur historique. Mais ça a l'air d'être des bans qui sont plutôt pris en fonction de l'historique des White Dragons, parce que c'est pas des bans qu'on voit habituellement de la part des deux équipes. Bref, on a un B1 Wukong. Alors, bon. Désolé, pour ceux dont c'est la première vidéo de moi, je suis vraiment désolé, mais ça fait tellement 12 épisodes d'affilée de Draft Gap, on commence par un B1 Wukong que j'en veux tellement plus. Bon, on va l'expliquer une dernière fois. Je trouve que B1 Wukong n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne idée. Déjà, première chose, c'est parce que ça oriente énormément ta draft autour d'une thématique qui est de foncer sur l'adversaire. Et de manière très agressive, plutôt axé, on va dire, teamfight et moins sur le clear speed, tout ça, et les ganks en early game. Ce qui fait que, bon, tu montres déjà énormément ta draft rien qu'avec ce seul pick. Et si, du coup, tu te dis en cours de draft que ce serait quand même vachement bien de pivoter vers un truc qui est fort contre ce que l'adversaire est en train de pick et que c'est pas ce que fait Wukong, t'es un peu baisé. Et Wukong finit par être à peu près useless dans la partie. Donc, je trouve que c'est un pick vraiment pas fou comme B1 de la part des Game World. Bref, du coup, on va avoir un R1, R2, Ornn et Senna. Alors, Senna, c'est intéressant parce que je crois que c'est l'une des premières fois qu'on voit Senna sur ce draft gap, je crois. Je crois qu'il y a peut-être eu une game dans tout ce bordel où on l'a... où j'en ai parlé dans tous ces épisodes de draft gap où j'en ai parlé. Peut-être que c'était dans le BO chinois, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas... si c'est pas le cas, sachez qu'on va vous allez l'apprendre à la connaître, hein, Senna, parce que pour moi c'est un des carry qui est vraiment très sous-estimé dans le méta, notamment sa capacité à faire à peu près n'importe quoi avec les règles de la botlane, on va dire. Là en gros, qu'est-ce qui se passe? On a un Ornn qui, bon, pour le coup, lui est une réponse à Wukong, qui a la capacité de pouvoir créer une engage grâce à son ulti qui commence de très très loin, mais aussi à pouvoir en recevoir, parce que mettre un ulti Ornn sur une engage, ça fait chier à peu près tout le monde dans la game adverse, parce que ça met un giga slow de zone à tout le monde, et si tu restes trop longtemps à côté de Ornn, qui est un tank, donc c'est à peu près compliqué de le one-shot, ben il peut rappuyer sur son R, et derrière te mettre un bump de zone incroyable qui peut potentiellement mettre un putain de Thanos snap sur ton équipe, et derrière t'as perdu un tiers de ta vie, alors que c'est un tank, quoi. Et encore une fois, c'est un personnage qui polarise énormément la draft, puisqu'il force les gens à draft des choses qui peuvent potentiellement, par exemple, cancel Ornn au moment où il s'apprête à ulti. C'est des picks qui peuvent potentiellement bloquer son ulti en général, bref, des trucs particuliers. Et qui en plus a l'avantage d'avoir une vaseline plutôt ok, plutôt simple à jouer, et qui a même d'ailleurs surpris pas mal de joueurs. On a vu pas mal de solo kills de Ornn sur la plupart des top champions, du coup. Enfin, les top champions top, on va dire, c'est peut-être mieux comme ça. Du coup, voilà, c'est un pick plutôt intéressant à mettre dans la game. Le seul problème qu'a Ornn, c'est éventuellement s'il se retrouve en face d'un truc qui a un plus gros scaling que lui. C'est compliqué, mais quand même. Et Senna, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, en gros, ce qui est intéressant avec Senna, c'est que bah, tu sais absolument pas ce qui va suivre après Senna. Genre, c'est impossible de prédire ce que l'équipe adverse va faire une fois qu'elle a pick Senna. Et le champion a la capacité d'avoir un scaling de fou dangereux. Déjà, c'est un scaling basiquement infini. C'est-à-dire que tant qu'elle récupère des âmes à la mort des sbires, elle augmente sa portée d'attaque, elle augmente ses dégâts en plus, je crois. Bref, c'est un pick qui va en permanence gagner en puissance. Deuxièmement, elle a énormément de rôles différents. Elle peut être jouée de différentes manières. Elle peut être jouée en AD carry qui prend les sbires, normalement, classique, tout ça. Elle peut être jouée en tant que Fasting Senna, c'est-à-dire une variante où le support prend les sbires jusqu'à ce que Senna obtienne son item support. Donc Senna prend l'item support, elle harasse les gens en lane et elle s'occupe de heal son support qui se prend un peu des dégâts de fou. Et d'ailleurs le support, à partir du moment où tu ferais une Fasting Senna, peut être absolument n'importe quoi. Même s'il y a des combinaisons qui sont préférables avec Senna, mais bref. Et une fois que Senna a obtenu son item support et qu'elle ne gagne plus de gold supplémentaire grâce à son item support, elle se remet à farm.
Et du coup, ça accélère énormément le support en early game. Donc, c'est un peu l'avantage principal du truc. Ça te donne basiquement deux demi-champions au lieu de un champion normal de type ADC et un support. Et en plus, ça a énormément de combos intéressants. Et ensuite, la variante Senna full support, par contre, qui elle reste support toute la lane, qui va certainement la plupart du temps donc rester dans un stuff de type létalité. Et qui est là surtout pour déwarder des trucs, mettre un ulti de support, c'est-à-dire mettre un giga shield de zone ainsi que des dégâts sur une ligne droite dans une portée globale. Et enfin aussi la capacité de heal ses gens, de heal ses potes périodiquement, basiquement avec son Q-spell, tout en ralentissant les gens et en mettant un stun de zone assez intéressant. Donc ça, c'est ce qui fait que le R1 et R2 des White Dragons est intéressant par rapport au B1 de Game Wards, notamment la capacité qu'ils ont à avoir un énorme scaling et ne pas trop se vendre dans la draft. Donc là, du coup, on est sur une réponse de draft qui est vachement intéressante de la part de White Dragons. Et du coup, ça leur donne une assurance scaling assez intéressante dans leur draft parce que ça leur permet de dire, voilà, on a une grosse assurance scaling de notre côté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour contrer ça? Ils ont deux choix derrière les Game Awards. C'est soit on essaye de partir vers une draft qui peut potentiellement les égaler en termes de scaling. C'est de match le scaling, histoire de faire une guerre à peu près équivalente. Soit ils décident de tout foutre sur leur lit et en disant, ok, à 15 minutes, on a perdu la game. Enfin, c'est à 15 minutes, si on n'a pas genre 5 à gueule d'avance, on a perdu la game. Ou à 15-20 minutes, on va dire. Ou alors à 25 minutes si on n'a pas l'âme, basiquement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En B2, du coup, on va avoir un pick Zeri. Et en B3, on va avoir Yumi. Donc, basiquement, la bot lane, la duo lane qui a été pick directement, instantanément. Donc, l'avantage de Zeri Yumi, c'est que c'est une duo lane qui est assez polyvalente. Donc, ça vend pas trop la draft de Game Ward. Ça a une assurance scaling assez intéressante de la part des Game Ward parce que. L'avantage de Zeri, c'est qu'elle a la possibilité de outrange la plupart des mêlées du jeu et ça force la Senna à arriver à repousser la game dans des timings très très lointains, on va dire, parce qu'il va falloir que Senna farme énormément d'âmes pour pouvoir finir par outrange la Zeri et constituer une menace suffisante pour elle. Parce qu'en dehors de ça, ce qui se passe, c'est que, basiquement, en 1v1, elle a un sort en moins parce que Zeri va juste foncer partout, elle peut esquiver son Z assez facilement, et du coup, il n'y a que des combats d'auto-attaque, finalement. Mais Zeri, si elle a suffisamment stack, son ulti, eh bien, elle dispose quand même de quelque chose d'assez intéressant. Elle dispose d'une vitesse de placement et de dégâts suffisants pour pouvoir potentiellement damage la Senna, si la Senna n'a pas une portée d'auto-attaque suffisante et des stacks d'âmes suffisants pour pouvoir load damage, basiquement. Et l'autre range. Yumi, bon, je vais peut-être pas faire un... Je vais pas faire un... Comment dire? Un descriptif de Yumi, je pense que tout le monde connaît à peu près le champion, vu qu'on le voit à peu près dans toutes les games compétitives depuis à peu près 4 semaines, un mois. Donc, on va juste dire que c'est aussi une assurance scaling, que ça a l'avantage d'être foutu sur à peu près pas mal de champions et d'être assez fort avec. Et aussi que, bon, bah, quand c'est fixé à Zeri, ce qui est à peu près le cas à peu près tout le temps, ça te permet à Zeri d'être assez... comment dire? Assez insaisissable parce que ça lui donne un buff de vitesse de placement assez souvent, ce qui lui permet basiquement d'être assez intouchable. Et en plus, l'ulti de Yumi est assez facilement combotable avec Zeri, parce que forcément, vitesse de placement énorme dit forcément que tu peux positionner ton ulti plus facilement, et du coup, les deux picks synergisent très bien, globalement. Mais ils ont une phase de lane assez mauvaise, on va dire, ce qui donc permet globalement, si t'as un pick qui est potentiellement un plus gros scaling qu'eux, eh ben, tu peux potentiellement... Mais putain, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce son de merde, hein? Désolé, hein. C'est... Non. Bref. Du coup, si t'as un champion qui les outscale basiquement un pick... on en parle souvent ici dans ce draft-là, mais si on a une Sona basiquement qui pique, ça va permettre d'avoir des heals vachement intéressants et qui, cette fois-ci, eux, s'appliquent à toute l'équipe en face, qui a un scaling vachement extrêmement fort, en fait, globalement. Grâce à la capacité d'avoir du coup lancer ses sorts à peu près H24, d'avoir des montants de heal et de dégâts assez fou dangereux, et d'avoir un ulti qui permet de assez facilement tag la cible de Yumi et de la take down très rapidement, bref. Mais c'est pas ce sur quoi les White Dragon, c'est les White, dragon blanc, vont opter, c'est plutôt vers une Vi. Alors je suis pas fan de Vi, parce que encore une fois, très unidimensionnel, à peu près les mêmes défauts qu'Kong, on va dire. Si ce n'est que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut tag plus efficacement une cible. Donc par exemple, si on a une Zeri qui est très forte dans la partie,
la vaille va genre foncer sur elle. Et derrière, si on a un bon follow-up derrière la vaille, eh ben, on va pouvoir permettre de nuke la Zeri, basiquement, et l'empêcher de jouer. Et ce qui va potentiellement faire gagner le fight si c'est le main carry de l'équipe en face. Le problème, c'est que je pense que c'est pas forcément nécessaire à partir du moment où t'as déjà Senai Horn. Parce que t'empêches déjà pas mal la Zeri de jouer. Mais au moins, ça permet un peu de faire en sorte que, à chaque fois que la Zeri joue avec un petit peu de... comment dire? Elle joue avec une épée de Damoclès autour d'elle, d'elle à base de « si je m'avance trop et que je suis dans un positionnement un peu trop nul, ben, je me fais ulti vaille et basiquement je me fais nuke et mon équipe perd sur ça. » Donc, ça met un peu de pression entre guillemets sur la Zeri, mais c'est vrai que c'est un champion qui a tendance à devenir assez useless à partir d'un certain moment de la partie. C'est compliqué. Bref, au niveau des bans, alors on va aller très très vite du coup, parce qu'on a déjà assez... j'ai déjà passé énormément de temps sur la première phase, mais c'est normal parce que c'est ce qui polarise énormément la suite de la draft. On va avoir un ban Azir et un ban Gwen du côté des White Dragons. Azir qui a l'avantage de pouvoir pourquoi je mets White du coup? Bizarre. Azir qui a l'avantage de pouvoir basiquement outrange Senna, ce qui est un peu compliqué, et ce qui en plus... il peut empêcher le follow-up de l'équipe de la Vaille si elle décide de go in sur lui grâce à son ulti, basiquement, grâce à sa partition impériale, ce qui fait que du coup bah, c'est un peu impossible de suivre la Vaille. Et d'un autre côté, s'il décide de se la jouer aggro en mode je fonce dans le tas avec Wukong, et ben il ramène Senna dans l'équipe adverse, et Senna derrière elle est à peu près finito, quoi. Et derrière Gwen, parce que c'est justement un des picks qui est souvent pris en réponse à Horn, parce que ça permet un scaling assez fou, entre guillemets, même s'il est un peu moindre qu'avant. Et aussi parce que c'est un pick qui peut très bien nuke des carries assez faibles, en termes de points de vie, assez peu résistants, donc comme Senna, justement. Et surtout que si t'as pas vraiment de dash ou que tu fonces dans Gwen, tu vas te faire à peu près découper, basiquement. Et comme t'as Horn et Vi dans ton équipe, t'as potentiellement envie de te garder cette carte de j'engage sur l'équipe adverse. Même si c'est pas la dynamique principale de l'équipe. Du côté des Game Wards, ça va ban Yone. Alors, Yone, ça peut être intéressant si tu veux partir sur un AP carrière en botlane. Donc je peux trouver ça assez intéressant de leur part. C'est peut-être aussi... Alors j'avoue que j'ai du mal à voir. Je suppose que c'est potentiellement un pick pour... un pic de cœur pour les White Dragons, mais c'est vrai que dans la draft en elle-même, enfin, Yone peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas non plus genre une priorité absolue, on va dire, parce qu'il y a énormément de picks qui peuvent s'énergiser avec Senna, comme je l'ai dit, et même au niveau de la mid lane, ça reste un top laner qui est, bon, pas forcément fou en termes de dégâts magiques, et un mid laner AD, donc Yone, bon, ça fait quand même pas mal d'AD dans l'équipe avec Senna, donc, enfin... Sachant que t'as déjà ban Karthus qui pourrait potentiellement être un carry AP, parce qu'on a déjà vu la botlane Senna, Karthus notamment en NA, je crois. Et intéressante parce que même si elle se fait tower dive, basiquement le Karthus peut récupérer le farm et donc s'assurer une game plutôt tranquille, on va dire, et qu'en plus, bon, le scaling de ses champions est ce qu'il est. Et qu'en plus, vu qu'il serait solo AP, ben ça encouragerait absolument pas les Game Wards à prendre ça sur de l'ARM. Et le truc, c'est qu'il est déjà ban, donc... Je suis pas extrêmement fan du ban Yone, même si c'est vrai que techniquement ça peut être un ban qu'on botte bien dans la draft des White Dragons, même si ça ferait quand même pas mal de dégâts AD. Même s'il a des dégâts magiques et des dégâts bruts, je sais, mais genre théoriquement il fera majoritairement des dégâts physiques. Et le ban de Sejuani, alors ça par contre j'ai pas compris. Alors si quelqu'un pouvait m'expliquer, parce que il y a déjà Vi de pick et il y a déjà Horn de pick. Alors à moins qu'il pense que ce soit Horn en bot lane avec Senna, genre que ce soit genre comme ça, et que ce soit une fasting Senna. Et que ils veulent foutre la Sejuani top lane, je ne comprends pas ce ban. Et là, pour le coup, je suis sûr que c'est une ban de deuxième rotation. C'est un ban de deuxième rotation, donc je ne comprends vraiment pas, pour le coup. Peut-être qu'ils ont des informations qu'on n'a pas. Peut-être que potentiellement, il y avait une Sejuani support qui pouvait partir sur la... Genre, c'est genre une... C'est une Sejuani qui peut genre se foutre en bot lane avec la Senna, et une Senna qui serait basiquement en fasting mais avec Sejuani, même si ça n'a pas énormément de sens, parce que tu veux accélérer un carry, mais genre enfin accélérer un carry ou potentiellement un champion qui aurait de l'impact grâce à l'argent supplémentaire qu'il aurait, mais Sejuani est régulièrement dans des débats pour être joué support sans économie en général, parce que son kit de sort est déjà suffisamment fort et ses capacités de base font qu'elle est basiquement le même champion qu'elle soit genre à 1 ou à 3 items, quoi. Donc, ça aurait pas vraiment de sens pour un fasting Senna.
Donc je suis pas vraiment fan. Ah bon, faut que je le réécrive du coup. Je suis pas vraiment fan de ce Man Sejuani, mais bon, à la limite. Du coup, en R4, qu'est-ce qui se passe du côté des White Dragons? Eh ben, en R4, ils sortent le pic Vega. Et là, je pense qu'on est déjà dans un no-draft massif. C'est le pic Vega qui, selon moi, scelle la draft. Parce que, j'ai regardé, basiquement, la game. Et je peux vous dire, le combo Vega-Senna, c'est illégal. C'est-à-dire que ça devrait être interdit dans les conventions de Genève. En tout cas, en Europe, on ne devrait pas pouvoir être autorisé de le pick sans avoir des bans de retard ou un truc comme ça. Genre, tu décides de pas ban le troisième champion pour pouvoir pick cette lane, tellement les craquer parce que c'est pas possible. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est une lane qui scale, basiquement. Ça c'est sûr. Même si au niveau 4, elle a quand même un potentiel de kill assez intéressant parce que le Veigar peut avoir un deuxième point dans son Z et peut commencer à avoir des dégâts de burst assez intéressants. Donc c'est une bot lane qui scale assez énormément, qui est un scaling infini parce que Veigar stack la paix en infini avec son Q-spell et Zenas farm ses dames à l'infini. Donc ça donne de toute façon un late game supérieur aux White Dragons dans tous les cas. Donc bye bye le pick Zeri. Et ensuite, ils ont une synergie assez intéressante parce que si la Senna met un Z, c'est comme si le Veigar mettait une cage. Du coup, le Veigar peut synergiser avec un Z et un ulti, donc son full combo. Et derrière, one shot le mec. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, je crois, avec Zeri ou un truc comme ça. Je sais pas s'ils l'ont tué sur ça, mais en tout cas, ils lui ont mis un gros chunk d'HP parce qu'elle a été prise à l'intérieur de la cage de Veigar. Je peux mettre le pen d'ailleurs, incroyable. Zeri a été prise à l'intérieur de la cage de Veigar. Elle s'est pris un Z de Senna, et derrière, la comète, et bye bye. Elle prend des lourds dégâts, et en fait, c'est comme ça que le combo est censé fonctionner, même si, théoriquement, quand tu mets le Z de Senna, tu cales aussi la cage et tout, donc tu peux mettre un double dégât, c'est intéressant. Bref, c'est intéressant dans ce cas-là. Et ensuite, pour les teamfights, en fait, lorsqu'on va arriver au teamfight d'objectif, on va avoir Senna et tout qui va essayer de faire son truc, Vi qui est en train de push le Drake et Gorn qui est là en front lane, et qu'on va avoir Zeri qui veut essayer de faire des trucs, avec sa Yumi sur le dos et un Wukong qui engage, alors qu'il veut flank un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe, là, à ce niveau-là? En fait, la Zeri, elle va essayer de foncer, notamment certainement sur la Senna pour essayer de lui mettre des dégâts. On va mettre la Vi ici. Elle va essayer de foncer vers la Senna pour lui mettre des dégâts. Le problème, c'est que Veigar a une cage qui fait que il va poser sa cage, genre, là, basiquement. Et en fait, la Zeri ne pourrait pas avancer. Le contrôle du terrain offert par la cage de Veigar est tellement fort que ça empêche la Zeri de poser ses dégâts. Et si elle se fait attraper à l'intérieur de la cage, elle est finito. Parce qu'elle ne peut pas dash à travers la cage, vu que c'est un stun. Du coup, elle est vraiment polarisée. Elle est vraiment genre nullifiée par le pick Veigar en bot lane. Sachant que le pick Veigar permet aussi de la nuke assez rapidement en arrière. Il a la assurance scaling. Il permet avec la cage de contrôler aussi l'engage du Wukong par la même occasion. Il a une phase de lane gratuite parce que Zeri Yumi n'est pas capable de pressuriser suffisamment la bot lane des White Dragons pour arriver sur un avantage significatif qui les empêcherait d'atteindre le scaling qu'ils veulent. Bref. Et en plus, comme il est actuellement quasiment solo AP, parce que bon, Horn fait un peu de dégâts magiques, mais c'est pas un dealer de dégâts magiques principal, on va dire. Et ben, t'es pas forcément encouragé à build de l'ARM contre lui, parce que sinon tu fais péter la gueule par la Senna qui va en plus jouer létalité. Et la Vi qui pète déjà un peu l'armure, bref. Donc, ça rend la draft quasiment unique, one-sided pour les White Dragons, rien que savoir speak ce Veigar. Et bon, derrière, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, il y a un pick Gangplank de Melonic quand même, qui peut être intéressant dans le sens où ça lui permet potentiellement d'empêcher les mouvements basiquement neutraliser pendant quelques secondes Senna s'il ulti sur lui, et potentiellement Veigar aussi. Le problème, c'est que la cage de Veigar fait que s'il n'y a pas énormément de follow-up, c'est un peu compliqué pour lui de jouer, même si théoriquement il peut vraiment gêner énormément la Senna. Ça reste quand même compliqué parce qu'au bout d'un moment on va arriver à un scaling où elle va basiquement pouvoir se heal à travers son ulti, quoi. Donc c'est vraiment pas, tu ultis pas pour les dégâts, tu ultis juste pour le slow. Mais le problème, c'est que la compo de White Dragons a des picks, donc le Horn, la Senna et le Veigar, qui peuvent être axés autour du thème de la forteresse immuable, on va dire. C'est-à-dire que ça les dérange pas de pas bouger, en fait, à partir du moment où ils meurent pas complètement, tu vois. Et
En fait, s'ils s'arrêtent de jouer, bah, en fait, ils ont quand même un contrôle de terrain donné par le Veigar et potentiellement par le Horn avec son Q-Spell et avec son ulti. Ce qui fait que cette draft-là, des Game One, ne peut pas avancer et foncer sur cette draft, en tout cas sur les trois picks ici, sans bah, basiquement se faire nuke. Basiquement. Se faire nuke, se faire empêcher, basiquement neutraliser, et derrière burst complètement. Et en plus, l'avantage, et on va le voir avec le dernier pic des White Dragons, c'est ce qui fait que pour moi, le véritable avantage est à venir, c'est qu'ils ont énormément de manières de jouer cette game. On va voir un B5 Sylas. Alors, je suis d'accord sur le fait que ce soit potentiellement un bon pic de Sylas, dans le sens où il y a un ulti Veigar, il y a un ulti Vi, il y a un ulti Senna, il y a un ulti Horn, donc il y a plein de bons ultis. Le problème, c'est que, encore une fois, le Sylas a les mêmes problèmes que le Wukong et potentiellement l'Azeri, c'est que il ne peut pas avancer à travers la cage de Veigar. Il peut potentiellement utiliser l'ulti Vi pour cela, mais derrière, il se fait instantanément neutraliser, en fait, parce qu'il y a quand même une Vi. Il y a quand même un Z de Senna. Il y a quand même un Horn en général, tu vois. Donc, ça fait qu'il ne peut pas genre foncer sur les cibles en même temps et espérer que genre les gens follow, basiquement. À part dans le cas hyper spécifique où il vole l'ulti Vi, et même s'il vole l'ulti Vi, je sais même pas s'il peut réussir à mettre des dégâts suffisants après. Donc c'est compliqué. Donc s'il fonce sur le Veigar, il peut potentiellement se faire contrôler par la Senna et le Horn. Et s'il fonce sur la Senna, il se fait contrôler par le Veigar et le Horn. Donc c'est compliqué. Tactiquement, on peut difficilement rêver d'un meilleur spot de Sylas, à part justement le pic Arthus, justement. Même si le. Enfin, théoriquement, Sylas n'aura pas aura jamais autant d'AP que Karthus, mais. En tout cas, un pic potentiellement GP, un pic Karthus, ou c'était quoi les pics? Ah oui, un pic Malphite potentiellement en top lane aussi. Ça peut être intéressant avec lui. Bref, il y a difficilement meilleur spot de Sylas, mais le problème c'est que la draft est déjà tellement. Tellement compliqué en fait à jouer pour les Game Awards qu'il peut pas non plus jouer même avec ça, quoi. Et le problème c'est qu'il a pas forcément un early game qui permet de renfoncer la game suffisamment pour pouvoir empêcher ce scaling. Donc Sylas est notoriously, je sais pas. Il est connu pour avoir une phase de lane pas si full folle que ça, il est pas une phase de lane très dominante, ce qui fait que, bah, encore une fois, on a potentiellement un gangplank qui peut arriver à dominer un peu le horde, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs pendant la lane, même s'il s'est fait tower dive, il a réussi à avoir un trade kill derrière, il est à peu près dominé en termes du farm. C'est pas grâce à lui que tu actives un snowball. C'est lui, il a surtout être là pour t'assurer un late game, slash basiquement des teamfights un peu intéressants. Mais comme on a personne pour. Genre, on a aucune lane sur laquelle le Wukong peut jouer, basiquement. Parce que il va. Là pour l'instant, le pick R5, ça peut être n'importe quoi. Hein, mais genre, s'il pique un pick qui empêche le Sylas de vraiment foncer sur le mec et le one shot, même avec le Wukong, s'il y a un pick qui basiquement réceptionne bien l'engage. Ben, ils peuvent pas faire grand chose derrière. Ils peuvent pas faire grand chose en early Wukong. Derrière, il va être useless. Et le reste de la compo Game One se fait outscale. Donc, c'est compliqué à jouer. Et du coup, fuck. Et du coup, en R5, bon, alors, il va y avoir un pick Vex. Du coup, des White Dragons. Je suis pas fan de Vex. L'avantage de Vex, c'est que ça leur permet, du coup, de main point qui est la draft polyvalence, basiquement. Parce que. White Dragons a le scaling. Ils ont une capacité de jouer en forteresse immuable avec. Fuck. Merde. Faut que je nomme ça parce que c'est pas du tout Vi. Ils ont la capacité de jouer en mode forteresse immuable avec. Avec Senna, Horn et Veigar, basiquement. Mais ils ont aussi la capacité de jouer une compo full basée sur le catch avec Vi, avec Veigar et avec Vex, basiquement. Et potentiellement même avec Horn, parce que, en fait, à partir du moment où il y a un ulti Horn, il peut potentiellement y avoir un ulti Vex, une cage de Veigar et un ulti Vi. À partir d'un ulti Vi, il peut y avoir une cage de Veigar, un R de Vex et un R de Horn. Et à partir d'une cage de Veigar, il peut y avoir un ulti Vi, un ulti Horn et un ulti Vex. Bref. Il y a énormément de sources de catch qui peuvent fonctionner, qui peuvent permettre aux gens de. Aux joueurs de White Dragons de facilement tag un mec, donc que ce soit un Sylas qui se serait perdu, un Gangplank assez immobile, ou un Wukong potentiellement qui aurait perdu pas mal de ses spells, bref. Et surtout, n'importe qui possède la Yumi, basiquement. Ce qui va être compliqué du coup pour jouer une compo Yumi-centrique.
Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui. Et même la Senna, du coup, est utile dans, dans cette optique-là parce qu'elle peut, elle peut mettre un ulti global qui fait en plus être létalité, donc basiquement qui va faire des dégâts de fou et qui peut combo sur n'importe quel engage des 4 autres joueurs, basiquement. Donc, ils ont la capacité de jouer. Ils sont meilleurs en catch. Ils sont meilleurs en teamfight. Ils sont meilleurs en scaling. Le seul truc sur lequel ils sont potentiellement un peu moins bons, c'est en side lane, basiquement. Et d'ailleurs, on l'a vu, Vex s'est fait catch plusieurs fois dans la game. Parce que bah, c'est pas un champion de scaling, c'est un champion, enfin un champion de side lane, je veux dire. C'est pas un champion qui peut tenir une lane et s'enfuir potentiellement assez rapidement si elle se fait, si elle se fait basiquement courir dessus. Et on l'a vu du coup, oui, forcément. C'est un champion qui est là basiquement pour neutraliser le pick de Sylas et potentiellement pour synergiser avec un éventuel go-in des autres joueurs, des autres champions. Mais c'est pas un champion qui va être extrêmement dominant dans la lane, ce qui fait que, ben. Et surtout qui est pas extrêmement fort en tant que champion. Basiquement, c'est un bon follow-up, mais c'est pas un champion qui est fort, comment dire, en isolation. Et du coup, c'est un champion qui peut se faire assez facilement catch à partir du moment où bah, elle a pas de dash autre que vers les ennemis. Donc, à partir du moment où elle a utilisé son fear, bah, il reste plus grand-chose, quoi. Donc voilà, c'est la fin, basiquement, de cette analyse. Je donne globalement la victoire aux White Dragons, même s'il y a eu un sursaut des Game 1, notamment avec ces trois picks-là, à peu près. Mais le problème, c'est que le combo avec Senna et Veigar, et surtout aussi ce Horn un peu, enfin même si c'est surtout ce combo-là, mais c'est le fait d'être pair avec le Horn aussi qui permet une telle polyvalence au niveau de la draft que c'est vraiment compliqué de jouer autour de ça. Et c'est pour ça que je trouve que Senna n'est pas assez joué et surtout pas assez banni en fait à haut niveau, c'est parce qu'on peut jouer absolument n'importe quoi avec ce personnage. Et surtout avec, c'est pas la seule game que je vais faire où on va voir des Senna, mais à chaque fois que vous allez voir une Senna, il y a de fortes chances pour que ce soit avec un pic que vous n'avez pas encore vu. Parce que Senna, elle synergise avec énormément de pics dans le jeu. Bien évidemment, les gens pensent souvent à des pics genre, comment il s'appelle ? La Tahm Kench, justement, forcément. Ça lui permet basiquement d'être extrêmement protégé par un Tahm Kench, ça peut lui permettre de réceptionner d'engage, de la sauver d'énormément de faux pas, et donc derrière de la repositionner, et donc de lui permettre de mettre ses dégâts de heal sans Tahm Kench. Bref, ils ont énormément de régène dans lane, c'est facile. Ils peuvent neutraliser la variance de la lane. Et de jouer de manière assez safe tout en ayant un scaling assez fort. Mais on avait aussi des combos avec Yasuo, on avait le fameux Senna Wukong aussi qui marchait à un moment aussi parce que ça permettait d'accélérer le Wukong et ça leur permettrait d'avoir aussi un combo assez intéressant à jouer. Le Wukong, de par son évasion, permettait d'avoir une phase de lane plutôt tranquille et pas très risquée, on va dire. Après là je vois pas trop, on a déjà parlé de cartouches justement, donc j'ai pas le redéman pour ça, mais voilà. Bref, il y a énormément de picks qui peuvent marcher avec Senna. Je crois même qu'il y avait eu un set à un moment qui avait été pris, même si, à l'époque où set était encore broken. Mais voilà, c'est un pick qui est très polarisant, qui est très avec lequel il est très facile de construire une draft. Tu peux foutre à peu près n'importe quoi avec une Senna dans botlane, ça va marcher peu importe le mode qu'elle va jouer. Donc voilà, c'est une draft, c'est un draft gap, basiquement. On n'est pas loin du draft Exodia. Je trouve que même si ça permet plusieurs modes dans la draft, je trouve que le pick de Vi et le pick de Vex sont pas forcément les picks les plus idéales dans la draft. Je pense qu'il y avait peut-être moyen d'avoir des picks un peu plus intéressants, même dans l'optique d'avoir une composition à catch. Donc voilà, à part ça, voilà, je me doute bien que potentiellement des picks qui sont assez méta. Bon, la Vex, je comprends vraiment pas, mais la Vi, je suppose que c'est assez méta, que c'est assez joué en solo queue, donc il y a pas mal d'expérience actuellement. Il y a pas mal d'entraînement, en fait, de la part du jungler. Attendez, je vais regarder. Et Marth avait peut-être pas mal d'expérience dessus, donc c'est pour ça qu'ils ont privilégié Vi plutôt qu'un autre champion. Plus axé sur le catch. Ça aurait pu marcher avec Nocturne, ça aurait pu marcher avec Udyr, par exemple, ça aurait pu marcher avec presque Olaf, je crois. Même Olaf aurait pu marcher potentiellement, même si, ah non, ça va peut-être un peu d'enchanteur, il en ferait peut-être un deuxième. Mais ouais, ça marcherait avec pas mal de picks en général, plus qu'avec Vi. Mais sinon, dehors de ça, bon gros Draviac, bon gros 80-20, je dirais. Et encore, on n'est pas très loin d'un 90-10 hein, en faveur des White Dragons. Ils battent basiquement sur le scaling, presque sur l'early game et sur le mid game, et qui en plus ont une composition qui est vachement plus facile à jouer parce qu'elle peut être jouée de plein de manières différentes. Bref. C'était une meilleure draft de la part des White Dragons. Il leur a permis de s'imposer contre les Game Worlds. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir parce que ça permet derrière
d'abonner, de vous pouvoir suivre les prochains épisodes de Draft Gap et de mes contenus, les autres contenus, que ce soit les analyses des nouveaux champions ou les patch notes de League of Legends. Donc moi, je vous donne rendez-vous, donc vu que c'est fini, dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde.